Regarde. Là. Qu'est-ce qu'on raconte? Sur le visage. Regarde, c'est là, c'est sur le visage. Je vous jure. C'est ça. Salut l'équipe, c'est Mika Lache. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, je te cache pas que j'ai vraiment la flemme, du coup je fais cette petite intro tranquillement dans mon lit, tu vois. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour piéger un escroc sur le bon coin qui vend des sacs de luxe pour femmes de contrefaçon. Mais petite différence, ce qui va se passer c'est qu'aujourd'hui on va le piéger à deux en compagnie de mon poteau Armano. Donc n'hésitez pas à aller rejoindre sa chaîne, je vous mettrai le lien en description car il fait aussi des vidéos sur YouTube. Voilà, je compte vraiment sur vous pour donner un maximum de force à Armano en allant vous abonner à sa chaîne. Essayez de lui faire péter le compteur, essayez de lui faire atteindre les 30 000, les 40 000, le million d'abonnés, pourquoi pas. Franchement, je vous dis la vérité, vous allez voir, vous allez même pas être déçu, il fait de bonnes vidéos. En plus, je suis souvent présent dedans, donc si je suis souvent présent dedans, c'est que c'est forcément de bonnes vidéos. Et non, je rigole, mais voilà, allez vous abonner en masse à sa chaîne, je vous mets le lien en description et vraiment envoyez-lui un maximum de force, montrez-lui de quoi on est capable, l'équipe. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en masse à ma chaîne pour suivre les futures vidéos. Je relance comme tout le temps le hashtag #MikaLacheRotoUnMillion, je sais qu'un jour on y arrivera. Je compte sur vous aussi si la vidéo vous plaît pour laisser un maximum de likes, hein. Vous savez que c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir, je vous demande pas de dons, pas d'argent ni quoi que ce soit. Mais voilà, si la vidéo vous plaît, juste vous laisser un petit like et c'est le meilleur soutien que vous pouvez m'apporter. Sinon, niveau projet, un petit peu, je vous prépare du très très lourd. J'ai déjà enregistré mon premier son, il manque plus qu'à le clipper. Et voilà, dès que ça sera bon, je vous balancerai ça sur la chaîne Mikalache Music. Comme je vous avais dit, je vous tiendrai au courant. De toute façon, vous verrez. Mais voilà, pour ceux qui attendaient un petit peu, ne vous inquiétez pas, le premier son arrive très bientôt. Et je peux vous garantir que vous n'êtes pas vraiment prêts. Mais sinon, voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous laisse avec le contenu de la vidéo, bien évidemment. Bonjour, c'est vous le. Exactement, c'est moi. Pour le sac. Pour le sac, exactement. Ouais, ouais. Michael Kors, c'est ça, Michael ouais, Kors. C'est ça. C'est quoi, c'est un Kors? Je sais pas, ouais, je pense. Du coup, vous, c'est combien du, le dernier prix? Bah, lui, le dernier prix, je le fais à 350. 350? Ouais. Comment je peux savoir si c'est le vrai? Bah, tu vois pas, là, regarde, il y a les vis et tout, en or. Ah, ça, c'est l'or, ça? Ouais. Là, t'as le logo. Oh, shit. En or. Ah, ouais. Armature en or, bouton en or à l'intérieur. Ah, ouais, bien, poche, bien, bien, bien. Poche bien, avec bien. Les brodés. Ah, c'est marqué regarde, MK. Touche, ouais, touche. MK? Ouais, ouais, touche, touche. Donc tu penses que ma femme elle sera contente? Ouais, de ouf. Parce que comme à chaque fois il vient avec un sac et tout, je sais plus. Mais je crois que c'est Jean-Michel qui lui offre les sacs. C'est qui Jean-Michel? Bah, c'est un collègue à ma femme en fait. Et ma femme, je l'ai rencontré il y a à peu près 5 ans, tu vois. Et un an après, on s'est marié, on n'a pas eu de gosse encore, parce qu'elle veut pas. Et après, elle a changé de boulot et rencontre Jean-Michel. C'est... Bah, c'est un collègue en fait, c'est un collègue à ma femme. Mais je le connais en fait, je l'ai déjà vu Jean-Michel, et c'est un gars sympa, il vient plusieurs fois chez moi et tout machin. Et souvent, genre des fois quand je rentre de travail, il est chez moi. Ah bon? Ouais, on dirait c'est un monde de famille, tu vois. Ah ouais. Et du coup, Jean-Michel, il offre beaucoup de sacs à ma femme. Et on m'a dit que genre, il lui fait des... Il les frotte. Il pose toi des questions. Pourquoi? Bah, il est chez toi, t'as dit que c'est... Bah, je sais pas. Ah, mais il m'a dit qu'ils font rien de méchant, il fait juste frotter ma femme. Et en fait, ouais, ils sont embrassés, mais ma femme m'a dit que ça compte pas s'il n'y a pas la langue. Du coup, s'il n'y a pas la langue, ça compte pas. Bon, et ouais, parce que... Ils s'embrassent juste avec... Les lèvres, mais il n'y a pas la langue. Attends, je vais être franc avec toi. Et ils frottent. Mais ça veut dire quoi, frotter? Mais ça veut dire quoi, frotter? Je m'en fous. Non, mais moi, je m'en fous. Ça m'intéresse. Parce que si j'achète un sac... Attends, je vais être franc avec toi. Ouais. Ce que tu me racontes, là, avec ta femme et tout, j'en ai rien à... Genre, tu me prends le sac ou pas? Là, j'ai une réunion après. Là. Et tu penses que si j'offre ça, Jean-Michel, il va arrêter de venir chez moi? Je m'en fous de Jean-Michel. Mais Jean-Michel, c'est le collègue de ma femme, je t'explique tout à l'heure. Ça fait 3 ans qu'ils travaillent ensemble, mais en fait. Je m'en fous de Jean-Michel, tu me prends le sac ou pas? Parce que là, je suis sûr que je vais rentrer chez moi, il sera encore chez moi, le mec. Tu me prends le sac ou pas? Il commence à habiter chez moi. Tu prends mon sac? Ouais, non, mais oui, non, mais le sac, il est bien, ouais. Ouais, je les ai. Parce que là, Jean-Michel, là, depuis tout à l'heure, tu me parles de lui, je sais pas qui c'est, je veux pas savoir qui c'est. Mais c'est Jean-Michel, bah, le gars de tout à l'heure que je t'ai expliqué, ça fait 3 ans qu'ils travaillent ensemble, c'est un collègue à ma femme. Mais je m'en fous, je m'en fous de Jean-Michel. Et des fois, le soir, quand je vais dormir... J'en ai rien à foutre. Des fois, le j'en soir, quand je vais dormir, ma femme, elle me dit, ouais, non. Ça te dérange pas d'aller dormir dans le salon parce qu'il y a Jean-Michel et il veut dormir dans le lit. Bah, je vais me casser, je m'en fous de Jean-Michel, je m'en fous, il a qu'à sa femme, j'en ai rien à foutre. Non, je m'en fous. Tu penses qu'il est fin? Non, c'est vrai? Vas-y, achète-moi. Il fait juste frotter, mais je comprends pas, c'est quoi frotter? J'en ai rien à foutre. Je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Maintenant, t'achètes mon sac ou pas? Bah, en fait, ouais, je vais prendre. Mais en fait, j'ai peur. J'avais peur que ce soit un faux. Du coup, j'ai appelé un collègue à moi. Il va venir, il va juste regarder en fait si c'est un vrai. Ouais. Après, je te donne l'argent, c'est bon, je l'achète. Hein. Ouais. Ça fait, je sais pas, moi, je suis choqué. Arrête de me parler de Jean-Michel. Ah, là, il est là. Mika? J'en ai rien à foutre de Jean-Michel. Ça, c'est...
Ça va? Ah bah non. Ça va? Non. Tu ça sais? Va ouais, ça va, je te présente. Comment est-ce que tu t'appelais déjà? Bonjour, bah je suis Frédéric pour la... Frédéric. Ouais, c'est Frédéric, regarde. Et Frédéric, il m'a dit... Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Sur Jean-Michel? Jean-Michel? Ouais, je t'avais dit Jean-Michel qui frottait ma femme. Mais oui. Mais tu m'as dit c'est rien, c'est juste frotter. Et bah lui m'a dit ouais, peut-être qu'il bute ta femme. Mais je m'en fous. Mais moi aussi. Comment ça toi aussi? Bah comme ça. Et puis après, genre... Comme ça aussi, comme ça, tu vois. Ah c'est pour ça que t'étais chez moi hier? Bah oui. Mais putain, t'aurais dû me prévenir, j'aurais préparé un truc, genre j'aurais acheté un truc pour manger et tout, on s'en fout. Vas-y, vas-y. On a fait un sushi. Tu prends le sac. Je voulais faire un sushi. Non. J'étais pas au courant moi. Bah moi je m'en vais alors. Non, le sac. Ah c'est pour le sac Ah oui, moi en fait je m'y connais énormément en marque de luxe. Ah ouais. J'ai travaillé, ça fait 25 ans que je travaille chez des marques différentes, telles que H&M, Zara. Ah. Mais là, du coup, Kaby, j'ai fait les grandes enseignes, voilà. Enfin, du coup, je m'y connais un petit peu. Il avait un magasin. De me respecter. Et là, t'es sûr de me le prendre, le sac, hein? Bah, si il me valide, ouais. Je vais analyser le sac, par contre, je te demanderai de me respecter, s'il te plaît. Comment je suis pas n'importe qui, tu vois. Je suis comme quelqu'un d'assez important. Et du coup, je te demanderai de me respecter sciemment, s'il te plaît. Non, mais c'est toujours gentil, ça. Tiens, regarde le sac et fais vite, quoi. Donc, c'est le sac Michael Kors, c'est ça? Pour quelle valeur il le vend? Mais il m'a dit 350 euros. Et il m'a dit, c'est un Corse. Corse. Mais le Corse, il est pas Corse. Non, j'ai dit qu'il avait une usine là-bas. Oh oui, il a une usine là-bas. Je crois pas, hein, il a pas d'usine là-bas, je crois. Hein. Jamais que... vu. Ah ouais? Attends, je vais un petit peu analyser le sac. Attendez, je vous demanderai s'il vous plaît de bien vouloir vous mettre par là-bas. Décalez-vous, ouais, s'il vous plaît. Je vais un petit peu regarder, je dois voir par rapport à la lumière du soleil. Ah d'accord. Hop, donc... J'aime bien aussi des fois en fait pour avoir un autre point de vue, je regarde un petit peu, je m'ignore. Ah, il est fort hein. Il est fort hein. C'est bon là. C'est bon là. Je sais pas, j'attends, je sais pas, je comprends pas. Ah j'ai senti. J'ai mis ma main dedans, t'as vu? T'as touché? J'ai senti le truc. Et franchement j'ai mis ma main, ça m'a fait tellement du bien et tout. Bon, je crois que c'est le vrai hein. Après analyse, je vais devoir tester certaines caractéristiques pour bien m'assurer que c'est un vrai, que seuls les vrais ont. Parce que là, à l'odeur, je sais pas, j'ai une petite méfiance, mais je t'avoue qu'il faut que je vérifie d'autres trucs pour voir faire des analyses. Ouais, mais par contre, moi j'ai pas le temps. Du coup, soit il me paye. Non, j'ai l'argent. Donne-moi l'argent et après. Je vais tester le sac. Au pire, regarde. Je te demanderai s'il te plaît. De bien vouloir reculer un petit peu. Toi, tu peux rester là, y a pas de soucis. Moi un petit peu. Oui. Attends. Et toi plutôt, par là. Ouais. On va tester un petit peu la solidité du sac en fait. Ouais. Tu me permets? Mais tu veux faire quoi en fait? Non, en fait, je veux tester quelques caractéristiques du sac pour m'assurer que c'est bien vrai. Parce qu'en fait, il y a certaines choses chez les vrais sacs qu'il n'y a pas chez les faux en fait. Et du coup, pour m'assurer que c'est bien vrai, j'ai besoin de faire quelques tests. Regarde, tu vois, le sac comme ça. Hop, en fait, ce que je fais, c'est comme ça, tu vois. Ah! Il l'avale le sac. C'est pas votre... Ouais, mais bon, là, je rigole pas avec vous. Là. Non, mais. Et je fais quoi du coup? Je fais quoi? Je teste. Il veut tester. Il veut tester. En train de faire quoi là? Mais il veut tester le sac. Comment ça tu me prends pour un coup? Bah je sais pas. On teste la gravité, non, je crois, non? C'est la gravité, non? Oh, ça c'est... C'est la gravité, mec. Je m'énerve là. Pourquoi je t'énerve? Pourquoi tu fais ça? Mais genre, ah, il veut tester la gravité. Pourquoi je fais ça? Mais il veut tester la gravité. Mais il va tester la gravité, je t'ai dit. C'est assez résistant en fait. Comment ça? Mais tu me prends pour un coup? Mais il est résistant ou pas? Du coup. Pourquoi tu fais ça? Ah mais non, tu le prends le sac hein. Pourquoi? Tu le prends le sac. Bah du coup, bah toi, il est tombé, du coup le prix doit être changé, non? 350 euros, c'est cher, non? Donc, maintenant messieurs, après mon analyse et certains tests que j'ai pu exercer par rapport à ce sac, j'ai la malheureuse nouvelle de vous annoncer que c'est une contrefaçon. Comment ça c'est une contrefaçon? Vous l'avancez monsieur, mais c'est une contrefaçon. C'est une vraie, regarde, tu le vois, c'est une vraie, arrête de me prendre pour un con. Maintenant tu l'as fait tomber. Tu me passes les sous. Attends, c'est moi qui achète. Comment ça? Mais si c'est un faux, pourquoi je vais l'acheter? T'as pas honte? Comment ça, quelle honte? T'as pas honte de vendre un contrefaçon? C'est un vrai. Hé hey. C'est un vrai. Michael Kors, comment ça s'écrit? Vas-y, on voit. C'est H, non? C'est avec le H, Michael Kors. Pourquoi il y a un K? Mais là, c'est un K. C'est un K, mec. C'est Michael Kors. T'as pas honte?
depuis tout à l'heure. T'as vu les conneries que je disais à propos de ma femme, c'est pas vrai, hein. Quelle connerie. Je m'en fous. Jean-Michel, ça n'existe pas, Jean-Michel, il n'existe pas, Jean-Michel. Attends, regarde, regarde. Mais toi, tu me vends ça. Ici, regarde. Là, tu vois. Ouais, t'as un truc là. T'as un truc, regarde. Là. Qu'est-ce que tu racontes? C'est sur le visage, regarde, c'est sur le visage. Je vous le dis.